Bonjour à toutes et à tous, ici Gizmo64. J'espère que vous allez bien. Qui va le son? Qui avait un peu de latence dans le son, fait que pour ça, je me demandais. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live sur Assassin's Creed Origin. Ouais. M'en allait dire Odyssey. Mais bon, monsieur Rodney, aujourd'hui, j'avais fait un live sur Mixer, mais j'ai recommencé, j'ai préféré le faire sur Twitch. Pour la seule et simple raison que, tout simplement, la qualité des fois sur Twitch concernant Mixer, concernant ce jeu, est merdique. Je me mélange, ça se peut des fois je me mélange, un peu des fois au lieu de dire Mixer, je dis Twitch, mais bon, si vous êtes abonné sur ma chaîne, vous savez un peu comment je suis. Des fois, je m'enferme dans les mots, mais bon, ouais, qu'est-ce que vous voulez? On s'habitue. La ville est belle. Mais elle dégage l'odeur d'un champ de bataille. Ça, c'est un des trucs que je veux travailler des fois, mais éviter de m'enfarger trop dans mes mots. Deuxième truc, mais ça, nous, le deuxième truc, ça commence déjà à s'améliorer de ce côté-là, c'est la chaîne. Des fois, je suis un peu gêné, des fois, quand je parle dans des. Quand je parle à d'autres personnes que je connais pas, des fois, surtout que je connais pas sur des endroits comme Discord et compagnie, mais bon, je me dégêne quand même assez vite de ce côté-là, fait que. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez toi. Il y en a des fois qui sont gênés à fond puis ils mettent ça sur la faute de leur anxiété. Moi c'est pas le cas, pour moi je suis pas de l'anxiété, fait que c'est juste que des fois je suis quelqu'un de quand même un peu gêné, puis je suis aussi un peu genre parano, je me méfie des fois du monde que je connais pas, mais à part de ça, ça s'arrête là, mais bon. Mais bon, c'est le fun des fois sur YouTube. YouTube, ça m'a permis un peu de m'aider, tu comprends ça? Vous comprenez? Ça m'a permis un peu de m'aider de ce côté-là. Un peu à me dégêner, fait que. Puis surtout, je vois quelqu'un de très exigeant. C'est pour ça que des fois, il y a des vidéos que je mets pas tout le temps. Je mets pas tout le temps toutes les vidéos que je fais sur Mixer ou Twitch, parce que des fois. Il y a des vidéos que quand je me réécoute, des fois je suis pas satisfait, mais à part de ça, la part du temps, je suis satisfait. Bon, cette scène-là, je vais juste la passer parce que je commence à aller, je la trouve un peu gossante. Moi, quelqu'un habillé en vache qui fait des incantations, oublie ça, ouais. C'est pas trop mon délire, mais bon. Ok. Allô le délire. Wouch. Surtout ne pas me perdre. Ah oui, c'est l'équivalent de des scènes de drogue dans Far Cry. Les belles scènes dans lesquelles ton personnage était sous LSD puis courait tout seul de gauche à droite, oh, c'était la joie. Je dois continuer. J'adore Ubisoft pour leur délire, leur délire qu'ils font avec la drogue et compagnie. Je
devrais me rapprocher de ces feux. Que j'aime pas de Bayek dans cet Assassin's Creed, c'est que je trouve que ce personnage, au début, il est correct. Mais vers la fin du jeu, je le trouve un peu trop surjoué. Il est en mode « Non, vous avez tué ma fille !» Il a tué son dernier. En dernier, il est deux fois pire qu'un pitbull, mais il se rattrape via les DLC. Avec les DLC, il se rattrape, puis il a moins la rage, puis c'est ça. À la fin, il y a une histoire quand même assez... À la fin, il y a une scène quand même émouvante, un peu triste, que j'ai trouvé quand même pas pire. Au moins, de ce côté-là, ils se sont rattrapés assez vite, mais bon... cet assassin, je trouve que je le trouve pas pire. Je l'aime pas mal comme personnage, la manière qu'il est dépeint dans le jeu, mais je trouve que des fois, côté psychologie, des fois ça sent le surfake, le surjoué, mais bon, c'est à la limite du surjoué, c'est vraiment pas du surjoué. Cette semaine, je vous ferai une petite vidéo unboxing. Je pense qu'il va y en avoir deux aussi cette semaine, des petites vidéos unboxing, peut-être deux, fait que ça va être temps sérieux. Bon. Il se voit. Ok, ça commence un peu trop à délirer. Ouais. L'autre que j'en plus de cœur puis continue à marcher pareil, ouais. C'est pas trop mon délire, mais bon. Oh, il y a une flèche dorée. Ah oui, c'est la scène du serpent, mon boss préféré du jeu. Oh, trop stylé. Anubis, seigneur des morts. Anubis. Quoi, Anubis, c'est pas un serpent pourtant. Il est où le serpent? Ah, il est là, le maudit. Je suis celui qui repousse le destructeur. Ouais. T'es celui qui fait ci, celui qui fait ça. Là, t'es où le serpent? T'es là. Je balais le ciel. Ah ouais, tu fais ça. Wow. Monsieur balait le ciel. Je sais pas quel drogue qu'il a pris, mais en tout cas, c'était du bon. c'est pas du LSD qu'il a pris. Ah lol. L'autre, il voit un serpent qui veut... Il s'imagine qu'un serpent veut le tuer. Attends, tu parles d'un bad flip. D'un bad trip. Wouch! Bon. Je saisis l'arc et je balais le ciel. Celui qui nous l'accorde et consolide le sanctuaire. Bon. Yeah.
pousse le destructeur. Ah ouais, t'es celui qui fait ci, celui qui fait ça, on a compris, à un moment donné, arrête de la chanter ta toune, on est juste celui oui, qui marche, qui frappe dans la ville, un grand coup d'amour. C'est la chanson qui m'est venue en tête quand j'entends cette phrase-là. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Là, ouais. Il veut pas dévorer ton cœur, t'es encore vivant. Et pas pire celle-là. Ouais. Je me demande s'il y avait de la drogue comme ça en Égypte. Dans le temps, par contre, je sais pas. Je suis celui qui repousse le destructeur. Oh là, il commence à me gonfler avec ses paroles qui reviennent en boucle. Je trouve qu'il aurait pu les rajouter au moins 7 à 8 lignes de dialogue. Ouais, désynchronisé. Oh ben shit, j'ai pas fait attention à ma vie, lol. LOL me croyait immortel. Anubis, seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Je suis celui qui repousse le destructeur. C'est celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Qui connaît pas Terry Fox? Lol. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Le destructeur. Tu ne dévoreras pas mon cœur. We'll be right back.
Ouais, réussi. Pour l'instant. Sentir la colère du dieu soleil. Okay, ouais. Tu n'auras pas raison de moi, destructeur. La droite. Je dois trouver un lieu stable. Je ne rejoindrai pas la vallée des ténèbres. Je suis la force qui brille dans son œil. Bon. Retourne à la mer du chaos. Raison de moi, destructeur. Tu vas ressentir la colère du dieu soleil. Je vais te détruire! Meurs, vengeur d'âme! Couche! Thank you.
qu'est-ce que tu vois? Wow, quelle belle scène! Ils sont revenus, tirés des griffes. De celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loué. Pakeyam de Chem. Petraoui. Sam. Majitka. Aya. Mon amour. Tout va bien? Mieux, maintenant que je te vois. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé de notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Viens, en bateau ce sera plus rapide. Alors, quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte? Ah, c'est un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin d'aide. Moi aussi. Et je suis fier de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre? Oui, avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis? Oui. La dirigeante exilée se montre au cœur de l'Égypte ancienne. Ça risque de déplaire au jeune Ptolémée. Je suis si heureuse de te revoir, Bayek. Aya, tu es l'unique source de joie qui me reste. Je veux que tu reviennes près de moi. Je suis liée à la reine, je la sais. Et notre lien à nous? Il est toujours aussi fort, mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. Oh, j'ai fait une promesse à la reine. Qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard. Quand tu auras tué le lézard, je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Je tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour, lorsque la tempête sera passée. Par où on commence? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la bouse.
Bon. On va respecter l'enclos. Ouais. Bon. Sont des offrandes aux taureaux. Elles ont l'air saines. Cette feature-là d'investigation, d'après ce que j'ai vu dans les deux premières heures du gameplay, vont revenir dans Assassin's Creed Odyssey. Mais bon, ça me surprend pas parce que Assassin's Creed Odyssey, c'est comme genre Assassin's Creed Origin, mais version 3.0 avec de nouveaux personnages, une nouvelle histoire plus, un peu plus intéressante, mais bon. J'espère juste que le délire avec les gamins colissant en bas d'une montagne ou jetant en bas d'une montagne sera moins présente que dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, le gamin il se fait tuer, qui nous se fait tuer, puis après ça, tu le vois sur toutes les formes, tête décapitée, whatever. Je sais pas c'est quoi Ubisoft, le gros délire qu'il y a avec ça. En même temps, ça fait une histoire. C'est comme avec Far Cry 5 puis leur délire avec la toune Only You. D'après moi, ils ont vu Mars Attack puis ils ont dit ah cool, ça, on devrait faire pareil. Ouais. Mars Attack, un film excellent je trouve. Si vous l'avez pas vu, foncez. Vraiment, c'est un film con. C'est des extraterrestres qui envahissent une ville. Puis là, à dernier, ils mettent la toune Only You puis leur tête éclate. Fait que ils disent oh, on sait comment les tuer à cette heure, on va faire jouer Only You. Ah, c'est d'après moi, ils ont vu ce délire là. Puis c'est juste comique. Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Un, peut-être, mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès. Hein? Qui? Notre frère. Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile. Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Va au temple d'Hathor sans moi. Je ne peux pas les laisser. Non. Bon. La tenue de Primal. Far Cry Primal. Non, sérieux, un peu plus de sérieux, je m'habillerai pas de même. Ouais. C'est mieux, je trouve. Ah,
Il y en a un que je connais, il a dit comme quoi que ça sent rien. Il y en a un que je connais, un ancien gars des ondes Xbox Live, qui a dit un truc du genre qu'Assassin's Creed d'origine a des bugs à force de jouer. Moi j'ai vraiment pas vu de bugs. Personnellement, j'en ai pas eu connaissance à la date. Mais enfin, je trouve drôle dans la société d'aujourd'hui, le monde de. Je sais pas, aussitôt qu'il voit qu'il y a des petits bugs ici et là, ça devient un peu réticent. Personnellement, le jeu, mais moi, ça me dérange pas que j'ai des bugs tant que le jeu a une bonne histoire, comme exemple Mafia 3. Si tu t'empêches de jouer à des jeux comme Mafia 3 seulement parce que des bugs, tu passes à côté du meilleur. Personnellement, moi j'ai bien aimé Mafia 3 pour son histoire et non pour ses nombres de bugs. Mais bon, honnêtement, Mafia 3, j'ai trouvé que c'est une histoire très très approfondie et vraiment très très rafraîchissante pour un jeu de mafia. C'est rare que tu vas voir un gars, monsieur et madame tout le monde assez sympathique tuer des mafieux. Pour une seule et simple raison, venger sa famille qui a été tuée par des mafieux racistes. Je veux dire, c'est original qu'on voit ça dans le cinéma, même dans le jeu vidéo, même dans le cinéma. Je veux dire, le parrain, quand tu vois des mafieux se faire tuer dans des films ou dans des jeux de mafieux, tu vois des mafieux se faire tuer par d'autres mafieux, pas par un monsieur et madame tout le monde qui s'habille en. Qui s'habille bien ordinaire, puis qui fait équipe avec quelqu'un du FBI, loin de là, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait de ce côté-là. Mais c'est ça, à cette heure, le monde à cette heure, il est aussi qu'il voit des petits bugs qui deviennent allergiques, qui sont comme allergiques aux bugs. Ouais. Je pense des jeux les plus buggés, je pense le Mafia 3, c'était le pire des jeux buggés de. Et on a vu des jeux buggés ces dernières années, mais c'était moins élevé. Rien n'était moins élevé que Mafia 3 côté bug. Ah, Mafia 3, des fois la luminosité elle montait dans le plafond et des fois elle descendait. Puis c'était pire sur PS4, savez-vous pourquoi? Parce que sur PS4, il n'y avait pas de page Day One. PlayStation n'aime pas mettre de trop de pages Day One. En tout cas, je sais pas s'il y en avait un. Personnellement, j'ai pas joué à la version PS4, peut-être, mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, il y avait plus de bugs sur PS4 que sur Xbox One. Il y avait des chars volants. Ouais. Des chars volants. Il y avait même des personnes que leur linge qui avait bugué. Sur leur linge, il y avait des gens de petites étincelles, comme s'il manquait des particules de vêtements. Ouais. Mais bon, moi j'ai bien aimé Mafia 3, hein. Moi j'ai bien aimé ça pour son histoire et non pour sa répétitivité, parce qu'il y en a bien qui ont trouvé que le jeu était répétitif. Ok, mais si tu t'arrêtes juste à ça, si tu t'arrêtes juste à des petits détails de même, ouais. Tous les jeux, quand tu y penses, sont répétitifs, gars. Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed d'origine, je vous le dis, quand vous faites pas l'émission en ligne droite, faut que vous faites des missions des quêtes annexes, hein, mais les quêtes annexes que vous allez faire, ça va être quoi? Ça va être la aidée du monde. Tout à aidée du monde, ça va être répétitif d'un côté, hein, mais ça va être le fun. Et parce qu'il va y avoir une histoire derrière, ben c'est ça, tu comprends? C'est. Quand il y a une histoire derrière, je vous le dis, quand il y a une histoire derrière, puis c'est répétitif, c'est moins répétitif parce que t'as pas l'impression que c'est répétitif à cause qu'une histoire, t'as comme un. T'as l'impression d'avoir un but, tu fais ça parce que t'as l'impression d'avoir un but, puis tu dis dans ta tête que oui, je fais ça pour la bonne cause. Mais bon. Moi, j'ai rien contre des jeux répétitifs tant qu'il y a une bonne histoire dans tout. Les détails les plus pénibles de ma captivité. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au grand temple. Un prêtre. Il porte une écharpe bleue. Pancratès! Tu es blessé? Ils t'ont maltraité? Il m'avait ligoté. Il me donnait des croûtes de pain comme un vulgaire mendiant. Alors? L'œuvre du lézard.
Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un millier de prêtres. Bon. Nous sommes tous deux voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Je dois avertir Pacherepta. Il attend au palais. J'ai récupéré des chevaux près d'ici. Qu'est-ce que tu attends, mon amour? Non, mais... Si on faisait la course, comme à Siwa. Ah, seulement si tu es prête à perdre. Oh, hé, Haru, t'es en train de perdre! Que gagnera le vainqueur? Tu ne le sauras jamais! Tu es plus lent que Ramsès, et il est mort depuis des années! Tu ne tiendras pas ce rythme! On verra bien! Plus vite, allez, plus vite! Il ne doit pas nous battre! Wouh! On dirait que j'ai eu le dessus. Bon. On dirait, oui. Ah, on a tous nos points faibles. C'est vrai. L'un des tiens est la modestie. Qu'est-ce qui se passe? La reine va parler. Viens, je veux l'entendre. Bon. Ouais. Bon. Tant qu'ils régneront, les dieux maudiront le pays et retiendront les eaux de notre fleuve. Mais quand la déesse vivante aura pris sa juste place sur le trône, alors les crues reviendront. Grâce à moi, Memphis scintillera comme un sublime rubis serti d'or. Grâce à moi, l'Égypte triomphera. Je ne dois pas les perdre. Il faut qu'ils prennent ma voix pour celle de la déesse. Ma reine ? Le taureau Apis souffre-t-il toujours ? Nous avons découvert la cause de son mal. On l'a empoisonné. Qui a osé ? Les prêtresses jumelles. Qu'on les fasse bouillir dans un taureau de bronze. Déesse, non. On les a forcés. Leur frère a été enlevé par un prêtre qui porte une écharpe bleue et qui tousse. Et Tepi ? Mais c'est l'un de mes plus proches conseillers. Celui qui vit dans ton ombre est le plus à même de te trahir. Mmh. Si même Tepi est contre moi ? Ils menaçaient ta femme et ton enfant. Mais ils sont en sûreté. On va s'occuper de lui. Les prêtres d'Anubis vont accomplir des rites dans le grand temple. Tu les reconnaîtras à leur masque. Ma lame sera aussi efficace que la sienne. Non, Aya. J'irai. Peu m'importe qui de vous tuera ce prêtre. Que ce soit fait avant que nous prenions la route d'Héracléion.
Attends. Que Ptanun le Père insuffle sa force à ton bras. Bon. Bon, on va aller tuer le lézard. Seul de ces prêtres mérite la mort. Je ne dois pas me tromper. Bon. Je sens. Quoi? Moi, je vais en méthode bourrin. À moi, il y a la discrétion. Moi, je vais pas par quatre chemins. Moi, je suis un gars d'action. Un gars d'action. Moi, j'aime quand ça bouge. Je confie mon sort au seigneur de la loi. Ce prêtre était innocent. On tourne à l'aventure. Et fois des pierres à feu. les pirafus jouent actuellement à TV, fait que c'est pour ça que j'ai genre cette musique là dans la tête. Tellement vieux ça, les pirafus. Et on va toutes les tuer un par un. On prend pas de chance, on va toutes les faire un par un. Non, on va toutes les faire un par un, les prêtres. Ouais, moi, il me casse pas la tête, là. Moi, gars, il faut toutes qu'ils passent un par un, anyway. On va dissoudre l'ordre des prêtres. Il en reste deux, de toute façon. Tu lui? Ah, c'est lui! Ouais, c'est lui. Il est mort. Il est mort! Ouais. Le lézard. Le prêtre qui a maudit Memphis. Je suis le visage de la vieille Égypte. La vieille Égypte est trop cruelle. Les innocents. Mutilés. Des enfants tués avant de naître. Le grand prêtre, calomnié. Avant même ta venue, son nom était déchu. Le peuple est le bétail des dieux, mené par le fouet du bouvier. Tu en fais partie, Bayek. Tu n'es qu'un veau. C'est la volonté qui m'anime. Pas la peur. Oh oui. Et qui tient le fouet qui s'abat sur ton dos? Qui exige que ma mort vienne ternir ton cœur? Je réponds à mes dieux. Toi, affronte les tiens. Bon. Je
enlève les malédictions qui accablent. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo quand même assez conséquente, hein. Elle va durer 46 minutes au moment de sa publication. Mais bon, sur ce, je vous dis... en espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir, ou les petits pouces rouges si c'est pas le cas. Mais bon, soyez honnête avec moi et je serai toujours honnête avec vous. C'est un truc en tant que youtubeur, faut toujours être honnête avec ses abonnés pour que ses abonnés le soient avec nous. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça que ça marche, je trouve. Mais bon, faut donner pour recevoir. Et sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. En règle générale, je fais surtout beaucoup de vidéos de gaming. Je fais aussi des vlogs parfois. En faisant des vlogs, ça m'aide des fois à ôter un peu ma gêne, sortir un peu de ma zone de confort. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et des gens qui vous aiment, et passez une excellente fin de journée ou un excellent début de soirée. Là-dessus, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!